Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, je suis Monsieur Green. Sentez-vous le vent se rafraîchir, les températures chuter? Eh bien oui, la semaine prochaine, et plus exactement le 21 décembre, nous entrons en hiver. Cette saison est propice au sommeil, la végétation se met au repos, et de nombreux animaux entrent en hibernation. Les humains aussi adoptent un autre rythme. Avant que les températures ne soient trop froides, nous sommes tous avertis de son arrivée par le bruit des oiseaux migrateurs qui, en escadron, rejoignent des terres plus chaudes pour y passer cette période. Qu'en est-il des oiseaux de nos jardins, lorsque la nourriture commence à se faire rare? Vous êtes nombreux à souhaiter les aider pour passer un hiver à l'abri de la faim. Pour cela, quelques conseils s'imposent. La population d'oiseaux a chuté drastiquement en Europe ces dernières années. Qu'en est-il réellement? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons aujourd'hui sur Liberté FM Gilles Van Rissel, ornithologue passionné et président de l'association IFF, Île, Faune et Flore. Bonjour Gilles et bienvenue sous la canopée. Quel conseil pourrais-tu donner aux auditeurs qui souhaiteraient nourrir les oiseaux cet hiver? Y a-t-il de bons ou de mauvais aliments et doit-on les nourrir pendant les 3 mois d'hiver? Bonjour Monsieur Green, merci de m'avoir invité. Et avec plaisir, vais-je essayer de vous apporter quelques éléments de réponse. Pourquoi nourrir les oiseaux? Pour les oiseaux présents sur notre territoire, l'hiver est la saison la plus difficile, même s'ils craignent moins le froid que le manque de nourriture et d'eau non gelée. La nourriture est indispensable pour affronter les basses températures. Or, à cette époque, les aliments sont plus rares. Les sols durs et gelés les empêchent, par exemple, d'attraper les vers qui se sont profondément enfouis dans les sols. Et les graines se font rares. À quelle période les aider? Dès les premières gelées et jusqu'au mois de mars si l'hiver se prolonge. Au printemps, inutile, les oiseaux deviennent territoriaux. L'installation d'un poste de nourrissage peut alors provoquer de violentes interactions entre les espèces. L'intrusion répétée de concurrents dans leur domaine peut se traduire par un échec de nichée. Donc, 8 règles d'or pour un bon nourrissage. Ne jamais mettre de la nourriture en grande quantité. Privilégier des graines comme le tournesol bio, des fruits blés, des pains de graisse, sans huile de palme évidemment. Évitez par exemple ce que vous trouvez dans les supermarchés, les boules insérées dans des filets, d'une part parce qu'il y a de l'huile de palme dans leur composition, et d'autre part parce que les filets peuvent faire en sorte que les oiseaux s'accrochent avec leurs pattes et peuvent en mourir. Changez l'eau des abreuvoirs régulièrement. Nettoyez très régulièrement les mangeoires. Tenir les grains à l'abri de l'humidité, ne pas donner d'aliments salés, pas de pain. J'en profite aussi pour dire qu'il faut éviter de donner du pain aux canards et aux cygnes. Même si on croit que c'est sympa, ça peut leur provoquer des maladies graves. Placer les mangeoires hors de portée des prédateurs, notamment de nos amis les chats. Privilégier l'apport de nourriture pendant les grands froids et ne pas arrêter le nourrissage brutalement. En cas de mort suspecte, stopper immédiatement tout apport de nourriture et désinfecter la mangeoire et ses environs. Bien évidemment, tout cela, je ne l'ai pas inventé. La Ligue de protection a fait une étude sérieuse dans ce domaine. Et pour en savoir plus, vous pouvez donc aller visiter le site de la LPO et le site du Muséum d'histoire naturelle de Paris, où se trouve une rubrique suivie des mangeoires. Continuez, une petite actuelle publiée en mars 2018 nous alerte sur une disparition massive des oiseaux dans nos campagnes. Que peux-tu nous dire à ce sujet? Quelles seraient d'après toi les solutions permettant une meilleure protection des oiseaux? Comment faire pour que les populations augmentent de nouveau? Et quel est leur rôle dans les écosystèmes? Alors, Monsieur Green, deux questions. Diminution des espèces et rôle des oiseaux dans les écosystèmes. La diminution des espèces d'oiseaux est plurifactorielle. Avant tout, la perte d'habitat, liée par exemple à l'urbanisation. La modification des paysages, avec la disparition des haies. Mais aussi les pesticides, les prédations de notre ami, toujours le chat, qui est le premier prédateur au monde. Les collisions avec les voitures, la pollution, les collisions avec les éoliennes par exemple. Et aussi, ce qui est moins connu, des maux de notre société. Exemple, le monodomestique
diminution de 74%, est victime de la malbouffe en zone citadine. Il se nourrit de restes de restauration rapide. Et les conséquences de cela, eh bien, ce sont des pathologies qui nous touchent et qui commencent à les toucher. Obésité et donc longévité moindre. Alors, je reviendrai un petit peu plus tard sur les espèces en voie de disparition. Mais je reviens tout de suite au rôle des oiseaux dans les écosystèmes. Comme toute espèce animale, les oiseaux jouent un rôle essentiel dans la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes. Quelques exemples selon les espèces. Régulation des populations de rongeurs, régulation des populations d'insectes, régulation des individus vieillissants, malades pour un maintien d'une bonne génétique, dépôt de graines par les excréments. Donc un rôle essentiel. Alors ensuite, effectivement, des chiffres très préoccupants. Quelques exemples. 30% des hirondelles en moins, 80% des chardonnerets élégants, 30% des alouettes des champs. Et je pourrais prolonger cette liste. Voyez plutôt, nous assistons à une perte de la moitié de nos passons en 40 ans, ce qui constitue une atteinte significative des équilibres et de la diversité écologique. Le nombre de passons en liste rouge a été multiplié par 2 en 10 ans. Et évidemment, encore des pratiques cynégétiques qui sont très redoutables pour des espèces pourtant protégées, comme les ortolans. 15 000 bruants ortolans tués chaque année. Les pinsons, des arbres victimes de braconnage, et le pinson du Nord, 240 000 pinsons des arbres tués, 50 000 pinsons du Nord. Du braconnage pourtant illégal, mais souvent protégé, pardon d'être un peu provocateur, par une poignée d'élus locaux qui viennent trop fréquemment anéantir tout le travail de protection. La Ligue de protection des oiseaux demande à ce que les lois soient tout simplement respectées dans notre pays. Pour terminer, Gilles, pourrais-tu nous parler un peu plus de toi, de l'association IFF et de son action au quotidien ? Oui, donc je suis un naturaliste depuis enfant, mais l'ornithologie, j'y suis tombé un peu par hasard en participant à un stage en Écosse avec 3 ornithologues en 1976. Depuis, jumelle en bandoulière et guise des oiseaux d'Europe dans la poche, j'ai observé et étudié ces merveilleuses créatures pendant mes vacances et moments de liberté à l'étranger ou en France. Depuis mon arrivée en Dordogne, j'ai la possibilité de m'adonner encore plus à ma passion et de la faire partager en encadrant des sorties pour tout public, en intervenant dans les écoles. J'ai ouvert mon champ de connaissances pour amener enfants et adultes sur des sentiers qui complètent ceux de l'observation sur le terrain. Par exemple, en interrogeant l'histoire de l'ornithologie, en parlant de l'étymologie des noms d'oiseaux, de la place de l'oiseau dans l'art, les oiseaux et le dérèglement climatique. Alors effectivement, je suis depuis 3 ans président de l'association Îles de Flore et de Faune, basée sur le pays ribéracois, qui a été fondée en 2010 par 2 amis anglais, Brian et Hélène. Alors les objectifs de cette association, sensibiliser les uns et les autres, nos adhérents, nos amis, nos sympathisants et toute personne intéressée par le sujet, au respect de la biodiversité. Alors pour cela, des actions très concrètes, signer une charte de bonne conduite écologique sur ces terrains, mais aussi des animations que nous proposons pour valoriser le jardinage biologique, pour valoriser ce qu'est une maison bioclimatique, pour valoriser les énergies alternatives, créer des partenariats également avec des associations amies comme Ozon Bio, la Fédération des Moulins, la communauté de communes du Pays Ribéracois. Enfin, une action modeste et cependant pugnace, que nous menons au quotidien depuis bien maintenant 10 ans. Bien, merci Gilles pour toutes ces informations. Merci d'être passé par le studio. Retrouvez l'émission en podcast sur Liberté FM et plus de renseignements et de liens sur les oiseaux sur la page Facebook sous la canopée Liberté FM. Nous vous souhaitons une excellente matinée. Comment c'était ? Oh, c'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment ? Oh, super green, aussi green que ça peut être. Green, 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 tu vois, mais tu vois le green, green, absolument green, green, green.